Le président de la République présente ses condoléances aux martyrs des forces armées et félicite les institutions militaires et de sécurité pour la bonne exécution de leur devoir national. Prière funéraire sur le corps du martyr de la patrie, le gendarme Mustapha El Khadi. Plusieurs membres du gouvernement étaient présents. Démarrage à Nouakchott des épreuves de l'examen probatoire du baccalauréat. Bonsoir et merci de vous joindre à nous pour ce journal. Le président de la République, Mohamed Cheikh El Rezouani, a présenté hier soir ses condoléances à tous les Mauritaniens pour les martyrs des forces armées tombés sur le champ d'honneur pour la défense de la patrie. Mohamed Cheikh El Rezouani a, dans un tweet, félicité les institutions militaires et sécuritaires pour le bon accomplissement de leur devoir national. Le président a également salué la vigilance de nos citoyens et leur prompte solidarité dans l'épreuve, dit-il, implorant Allah d'entourer de sa miséricorde nos martyrs, de guérir nos blessés et d'accorder à notre pays et à notre peuple sécurité et quiétude. Prière funèbre sur le corps du martyr, le gendarme Mustapha El Khadi Abid s'est tenu aujourd'hui à la mosquée Ibn Abbas de Nouakchott. Le défunt est décédé lors de sa participation au sein des forces terrestres, des unités de la gendarmerie à l'opération de neutralisation de terroristes fuyant la justice. La prière funéraire dirigée par l'imam Ahmedou El Mrabet a réuni les ministres de la Justice, de la Défense nationale, de l'Intérieur et de la décentralisation, des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, ainsi que le wali de Nouakchott Ouest, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, un certain nombre de chefs militaires et de sécurité et une grande foule de fidèles. Allahu Akbar. Dans un tout autre registre, 4256 candidats au total dans les différentes filières reparties sur 9 centres d'examen à Nouakchott ont participé à l'examen probatoire du baccalauréat. Le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif a effectué hier matin une visite d'information au centre pour s'enquérir des conditions du déroulement de ces examens. Bokar Baylaba nous en dit plus. Plus de 4000 candidats ont planché sur les épreuves de l'examen probatoire du baccalauréat à Nouakchott. Pour maîtriser le flux des admis aux examens à grand tirage, des barrières difficilement franchissables sont mises en place pour tous les élèves qui doivent être soumis à un examen appelé le bac probatoire. D'ailleurs, le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, Ahmedou El Khtaira, est allé s'informer du déroulement des épreuves au niveau des centres de l'école annexe, lycée arabe et lycée de garçons numéro 2. Au niveau de toutes ces étapes, le secrétaire général a été édifié sur le déroulement des épreuves et sur la méthodologie adoptée pour superviser les salles d'examen. Au terme de la tournée, le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif a souligné que les examens se sont déroulés dans de bonnes conditions et que les candidats, les superviseurs, les surveillants et équipes de sécurité se sont présentés dans les délais et les sujets ont été répartis en nombre suffisant.
Il a précisé que les candidats dans les différentes filières sont répartis sur 9 centres d'examen à Nouakchott. Le directeur des concours et examens affirme que les épreuves sont conformes aux enseignements, souhaitant plein de réussite aux candidats. Justement, les candidats affirment que les épreuves sont en leur portée, formulant des vœux pour que la réussite soit au rendez-vous. Le ministère de l'Éducation nationale, de la réforme du système éducatif, de l'enseignement a organisé hier à Nouakchott un colloque sous le thème « L'école publique consacre les valeurs de la République ». L'objectif de cette rencontre est d'aider à la mise en place d'une véritable école républicaine dans le but de réaliser davantage la cohésion sociale. Retour à Bocar Baylaba. Notre pays s'est engagé dans un vaste chantier de nature à améliorer le climat scolaire qui passe par la transmission des valeurs de la République qui fondent la cohésion nationale. D'ailleurs, le thème du colloque est on ne peut plus explicite. L'école publique consacre les valeurs de la République. Nous saluons avec fierté cette ambitieuse réforme à laquelle son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, entend donner à nos enfants des racines et des ailes et de les amener à vivre ensemble, tout en étant fiers d'être mauritaniens. Alors, à son achèvement, nous pourrons croire à une destinée meilleure, car nous aurons préparé le destin de nos enfants conformément à notre devise nationale, honneur, fraternité et justice. Notre engagement est inconditionnel et sans faille à vouloir accompagner ce projet unificateur qui est l'école républicaine. Je ne saurais terminer sans exprimer mes sincères remerciements et ma gratitude à tous ceux qui ont soutenu cette initiative. L'école républicaine est le fruit de l'une des recommandations du dialogue global inclusif qui a permis de faire le diagnostic de tous les dysfonctionnements et d'avancer des solutions appropriées. L'un des axes, ou bien le premier axe, c'était un État fort, moderne au service des citoyens. Le deuxième axe, une économie résiliente et engagée sur le chemin de l'émergence. Le troisième axe, un capital humain valorisé au service du développement. Le dernier axe, une société fière de sa diversité et réconciliée avec elle-même. Le troisième axe, celui-là, c'est en fait un capital humain valorisé au service du développement. C'est dans cet axe que se trouve l'école républicaine. De son côté, le conseiller chargé du suivi de la réforme, Mohamed Mahmoud Al-Hadi, a indiqué que l'école républicaine vise à renforcer la cohésion nationale et éradiquer les disparités sociales. Pour rappel, le ministère de l'Éducation nationale a organisé du 16 au 20 novembre 2021 des assises nationales auxquelles ont participé plus de 500 personnalités, dont des acteurs pédagogiques, des élites, des dirigeants et des forces vives pour la matérialisation et la promotion d'une école républicaine plus juste et plus équitable. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, en coopération avec le Centre de prospective stratégique de l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, a lancé ce matin à Nouakchott les travaux d'un atelier de formation sur la prospective stratégique au service de la prise de décision. Amina Khalil. C'est sous le thème « Prospective stratégique au service de la prise de décision » qu'a été lancé un atelier organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en coopération avec le Centre de prospective stratégique de l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, ISESCO. À cette occasion, le secrétaire général par intérim du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Sidi Mohamed Ould Dadi, a souligné l'importance de cet atelier qui permettra d'éclairer la voie aux décideurs et experts pour l'élaboration de stratégies optimales en vue de mieux façonner l'avenir. Il a ajouté que l'organisation de cet atelier s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de renforcement des capacités des ressources humaines du département, conformément au programme du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani. Il a appelé les personnes concernées à s'impliquer dans le processus de prise de décision à ces différentes étapes afin d'aboutir à une vision participative qui favorise la cohérence du plan stratégique et les efficacité des actions requises.
Quant au directeur général du Centre de prospective stratégique de l'ISESCO, Dr Qais Hammami, il a, avant de parler de l'initiative et sa pertinence, exprimé son appréciation pour le niveau de coopération entre le département de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et son département. La seule devise ou la seule idée qu'on essaie de faire passer à travers ce centre de prospective stratégique, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, sans culture d'anticipation, on est incapable d'avancer dans le futur. Aujourd'hui, si on veut construire un futur meilleur et si on veut anticiper les ruptures possibles sans une démarche de prospective, on est incapable de faire. Vous savez, dans les années 60 ou 70, Taillerand disait « quand c'est urgent, c'est trop tard ». Il est à noter que le présent atelier contribuera à soutenir les compétences des cadres supérieurs du département afin qu'ils puissent prendre en temps opportun des décisions permettant d'améliorer le rendement et le fonctionnement des institutions de l'enseignement supérieur. L'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal a soufflé sa 51e bougie hier, samedi 11 mars, autour du thème 2023, cap sur la navigation. L'événement était l'occasion de faire le point sur le projet de navigation rapide sur le fleuve Sénégal et s'est déroulé dans la salle qui porte le nom du premier barrage hydroélectrique Manantali. Bokar Baylaba. L'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, ONVS, a procédé à la présentation d'un projet évalué à 847 millions de dollars. L'objectif est de restaurer la navigabilité sur le fleuve Sénégal. Ce projet va rendre le fleuve Sénégal plus navigable en anticipant les travaux de dragage, de balisage et l'aménagement des points d'escale existants. Le projet a été dévoilé lors de la célébration du 51e anniversaire de l'organisation à Dakar autour du thème 2023 cap sur la navigation. Pour revenir à la commémoration d'aujourd'hui, nous avons voulu que notre rendez-vous cette année soit inscrit sous le thème de la navigation. Pilier manquant à l'ONVS depuis sa création et dont la réalisation est cruciale pour l'intégration des peuples du bassin du fleuve Sénégal. À travers ce thème, nous souhaitons informer, nous souhaitons sensibiliser les acteurs institutionnels, les partenaires, la presse et tous les citoyens de l'espace ONVS sur cet important projet qui va permettre de restaurer la navigation sur le fleuve et qui est, comme je viens de le dire, primordial pour l'intégration des populations de notre bassin. La SOGENAV a travaillé sur une nouvelle stratégie. Une stratégie de mise en navigation rapide sur le fleuve Sénégal. Cette stratégie permet de rendre le fleuve navigable de Saint-Louis à Ambidédi en anticipant les travaux de dragage et de balisage du fleuve, ainsi que l'aménagement des escales existantes, notamment celles de Podor, Rosso, Richard Toll et Ambidédi. De leur côté, le coordinateur local ONVS pour le Sénégal et le directeur général de la société de gestion et l'exploitation de la navigation sur le fleuve Sénégal, SOGENAV, ont passé en revue les différents projets et programmes mis en œuvre pour dynamiser l'ONVS et le projet de navigabilité du fleuve en fait partie. Face à ces nombreuses réalisations ces dernières années, ainsi que ces efforts de modernisation en cours, l'ONVS doit mieux dialoguer avec son environnement, mieux communiquer sur ses progrès comme sur ses difficultés. Elle doit également prêter une grande attention aux besoins et attentes des États, ainsi que les préoccupations des populations du bassin pour leur prise en compte dans ces projets et programmes de développement. Pour rappel, l'ONVS regroupe la Mauritanie, le Sénégal, le Mali et la Guinée. Depuis sa création le 11 mars 1972, l'organisation exécute un ambitieux programme de développement multisectoriel et intégré, basé sur la maîtrise et la gestion rationnelle des ressources du bassin. Le wali du Trarza, Mohamed Ahmed Mouloud, a présidé hier au village de Taïba, relevant de la Mourada de Rosso, une rencontre avec les habitants du village et des représentants de 12 autres villages voisins. Ceci dans le cadre de la visite d'information qu'il effectue actuellement dans la wilaya. Le wali a souligné que le pays connaît actuellement un ensemble de réalisations
importante à tous les niveaux et un consensus national sans précédent entre les différentes formations politiques et appelle les citoyens à s'orienter vers l'agriculture. Au cours de cette rencontre, les intervenants se sont félicités des réalisations, disent-ils, accomplies dans tous les domaines, concrétisant ainsi sur le terrain le programme électoral du président de la République, Mohamed Cheikh El Rezouadi. Voilà qui met fin à notre journal. Merci à vous de votre attention. Le rappel des principaux titres. Le président de la République présente ses condoléances aux martyrs des forces armées et félicite les institutions militaires et sécuritaires pour la bonne exécution de leur devoir national. Prière funèbre sur le corps du martyr de la patrie, le gendarme Mustapha El Khadi. Plusieurs membres du gouvernement étaient présents. Et démarrage à Nouakchott des épreuves de l'examen probatoire du baccalauréat. Plus de 4200 candidats étaient inscrits. Je vous retrouve demain pour une nouvelle édition de notre journal, Inch'Allah. En attendant, portez-vous bien.